Plusieurs syndicats de cheminots sont aussi mobilisés devant la gare de Matabiau à Toulouse, opération tractage, pour expliquer leur mouvement. Vous êtes à leur côté, Maxime Meunier et Jean-Wilfried Forquès. Oui, l'opération de tractage a débuté ce matin à 6h30 avec une intersyndicale réunie, une intersyndicale de cheminots. Il y a notamment la CGT avec Sébastien Aissou, bonjour. Bonjour. Pourquoi cette opération de tractage? Quel est l'objectif? L'objectif est d'informer la population que la réforme des retraites n'est pas bonne, elle n'est bonne pour personne. Et aussi à les appeler à la manifestation de mardi 14h à Place Saint-Cyprien. Il y a de la détermination? Il y a de la détermination et comme l'a expliqué Philippe Martinez, de toute façon on est motivé pour aller jusqu'au bout. La détermination ici des cheminots pour cette opération de tractage, beaucoup de mobilisation depuis le début du conflit ici à Toulouse. 8 cheminots sur 10 ont déjà décidé de débrayer.